Bienvenue sur la chaîne de Magic Pascal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui m'a été offert par ma petite fille Mia, que je remercie encore, je lui fais de gros bisous. Ce jeu de cartes, c'est quoi? C'est le jeu de cartes de Mickey Mouse. Je vais vous montrer tout de suite la beauté de ce jeu de cartes sur le tapis. Regardez rien que les dos, déjà, c'est fantastique. Je vous montre tout de suite les dos, la beauté, c'est brillant, c'est doré. Et attendez, vous n'avez pas vu les faces. Les faces, c'est comme ceci. Regardez voir ça. Vous avez des parties dorées. Voilà, comme ceci. Regardez les figures, on voit Mickey. Les trèfles, il y a encore du Mickey. Il y a même du mini sur les dames. C'est fantastique. Et les as, la beauté des as, regardez. Le carreau, le trèfle, le cœur et enfin le pic. C'est vraiment un très joli jeu. Merci Mia, gros bisous. Et après, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire avec comme tour de magie avec ce jeu de cartes? Et alors, eh bien, je vais vous en présenter un. D'ailleurs, c'est un grand classique de la magie, l'un des meilleurs tours qui existent au monde. Je vous laisse juger. Il s'agit du tour des As invisibles, avec 4 As, pique, cœur, trèfle et carreau. Je vais vous montrer pour la première fois comment les magiciens cachent les cartes. Si je vous montre 3 cartes en main gauche et une carte en main droite, ça c'est la manière visible, d'accord? En revanche, si je prends une carte, que je la cache dans ma main, comme ceci, vous ne la voyez plus. D'ailleurs, si je retourne, vous ne la voyez plus non plus. Mais, regardez, il suffit simplement d'y croire. Et avec de l'entraînement, on peut même écarter les doigts, ça ne se voit pas. En revanche, si je pose ma main ici, l'as vient d'apparaître. Nous avons ici donc 2 as. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Alors, je pense que j'étais un peu vite, donc je vais recommencer, mais doucement. Je prends un as, comme ceci, que je peux montrer de chaque côté. Il est invisible. Pourtant, il me suffit simplement de poser. Et instantanément, il apparaît. La première fois, c'est dingue. La deuxième fois, c'est encore plus dingue. En revanche, le dernier as, l'as de pique, lui, est un as beaucoup plus compliqué. Eh oui, parce qu'il est beaucoup plus gros. Alors, ce que je me propose, c'est de faire un peu différemment. L'as de pique, lui, on va lui faire passer un autre stage. Quant aux 3 autres, on va les laisser en vue, ici. Voilà. L'as de pique, lui, va traverser le mur invisible. Regardez, ne clignez pas les yeux, ça va aller très vite. 1, 2, 3, et voilà. Après avoir traversé, d'une manière magique, l'as disparaît, laissant place à une autre carte. Vous vous posez la question, où est-ce qu'il se trouve? Ne cherchez pas très loin, car sur la table, depuis le début, j'ai 4 cartes, et pas n'importe quelle autre. À n'importe quelle carte. L'as de trèfle, l'as de cœur, l'as de pique et enfin l'as de carreau. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, likez et pour tous les nouveaux, abonnez-vous. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao !